كنعتبر راسي يمكن محظوظ. علاش؟ لانه كنتفكر الناس اللي بعادين على المدن الكبرى اللي في القرى ربما سون دي زارتيست، ربما انهم كيحلموا، ربما كيرسموا بالطباشير، ربما كيديروها في لوحه، كيرسموا في التراب. ولكن في الوقت اللي كتلقى ان تولتي في واحد المحيط اللي فيه لار، فيه دي غالغي كوم سا اللي كيجيو وكتعرف الناس فين وصلوا، كتفهم الوسائل ديال التعبير ديالهم، كنظن كتحس بشي حاجه اكسترورديينير باسكو هاد الثقافه ناقصانه. كنتمنى انه يبقاو معارض بحال هادو يكونوا محلولين، ولكن سورتو في مدن الصغيره ما نبخلوش عليها. سي فغي سي بو سا كوت شير بالنسبه للناس، مي ما خصوش يبقى ليليت. بالنسبه ليا كيخصو يسافر باش كلشي يشوفو، كل واحد يحلم بحال لار، يحلم بحال الفن التمثيل ولا الموسيقى. كل واحد الى لو دروا دو غيفي ودو دير انا شي نهار غندير شي حاجه بيدي، ويمكن ما بالنسبه لي ما كتسوى لا والو، ولكن بالنسبه للاخرين كتسوى كيلك شوز ديكستراوردينير. ميرسي بوكو، ميرسي لهاد لي زارتيست على هاد لا جينيروزيتي اللي كيعطيونا. اي سي بور سا جيمي هادي مورايا، باسكو لو روج سي لامور سي لا في سي بوكو دو شوز. ميرسي. Exposition, donc c'est la sixième que la galerie Banque Populaire organise. Donc elle est dédiée à la sculpture. C'est un art que nous n'avons encore jamais exposé, qu'on avait à cœur effectivement de proposer au public. Nous avons choisi donc de faire une exposition où collaborent cinq sculpteurs. Donc trois qui sont installés, reconnus, et deux autres qui sont en devenir. Donc cet esprit de partage, de transmission nous intéressait et ça a donné donc des univers très différents. Chacun y a étalé de sa sensibilité et a produit donc des œuvres donc, qui retracent un petit peu leur univers personnel. Banque Populaire pour cette initiative, d'abord de nous avoir groupés entre cinq sculpteurs de tous bords différents et azimuts. Ça nous a permis justement de créer cette dynamique si particulière, chacun dans son monde, à travers des matériaux différents. Moi, je suis dans le bois, principalement. J'ai un parcours particulier, je suis maître ébéniste de formation, d'où justement cette connexion avec la matière, le bois. Malgré que nous sommes chacun différents, effectivement, il y a un fil conducteur dans la démarche, dans les démarches créatives. Principalement, tous les mondes, en fait le monde artistique, c'est un seul noyau qui est complètement connecté. Pour moi, il y a toujours une symbiose l'un envers l'autre, etc. Il n'y a pas de raison. Cette exposition a une dynamique juste particulière et puis elle est vraiment unique. Elle est merveilleuse et c'est une première, honnêtement. C'est une vocation, c'est le partage, c'est important, c'est aussi éducatif. Il faut ramener un maximum de jeunes ici aussi. Pour promouvoir et pour faire évoluer aussi l'éducation, il n'y a aucune raison. D'ailleurs, à travers mes ateliers, comme moi j'ai des ateliers en tant qu'ébéniste, mes ateliers sont ouverts aussi tous les mercredis aux jeunes pour participer, pour faire évoluer et là, à partir de là, dénicher des talents aussi.